disent, vous êtes tous les bienvenus à la session de développement pour les dirigeants au nom de Jésus-Christ. Je prie que la parole de Dieu touche toute vie, transforme toute vie et enrichisse notre ministère au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas œuvrer en vain. Vous n'allez pas prêcher en vain. Vous n'allez pas servir en vain au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ta bonté, ton amour, ta miséricorde. Nous te remercions de nous avoir appelés au ministère. Merci Seigneur pour la grande responsabilité que tu nous as confiée. Nous prions Seigneur que chacun de nous, sans exception, fasse du succès ce que tu nous as donné à faire au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui va nous empêcher intérieurement, personnellement, par notre habitude, nous prions que tu ôtes ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Alors, rends-nous des gens progressifs dans ton œuvre et profitables dans le royaume, comme nous touchons des vies et que nous les rapprochons de toi, que nous-mêmes, nous sommes plus rapprochés de toi au nom de Jésus-Christ. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup, soyez-vous. Nous allons au Nombre chapitre 20. Nous lisons le verset 10. Nombre 20, verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? 11. Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Le verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Comme nous voyons ces versets, on voit clair là-bas que le tempérament de Moïse, la colère de Moïse et l'action contraire à la parole du Seigneur lui ont coûté l'admission, l'entrée au pays de Canaan. Nous allons au Proverbe 16, verset 32. Proverbe 16, verset 32 dit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » Ouais, la force qu'on a, l'esprit qu'on a, si on n'a pas le contrôle sur notre tempérament, sur notre sentiment, sur l'incitation, l'excitation de notre cœur, toute cette force-là ne sera pas importante comme on le croit. Celui qui est lent à la colère, quelque chose s'est passé et vous êtes très chagriné, l'émotion monte, ne rien dire, ne faut rien dire, soyez lent à la colère. Si je me fâche, si j'agis selon la colère, quelle en sera la conséquence? Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Alors, nous sommes maîtres de notre esprit, nous contrôlons notre esprit, nous sommes maîtres des pensées qui proviennent de notre cœur. Proverbe chapitre 25, verset 28.
Proverbe 25, 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et une ville sans muraille, une ville non fortifiée, est ouverte à l'ennemi, il n'a plus de contrôle, il n'a pas de maîtrise, c'est sur soi. Et l'homme qui n'a pas le contrôle de son esprit, alors est laissé à l'ennemi, dont nous avons le thème qui est la délivrance et la domination sur la colère dans la vie et le ministère. Comme nous servons le peuple de Dieu et nous aidons l'Église, nous prêchons la parole et nous perçons l'Église comme le berger paie ses brebis. Et les membres de l'Église ne sont pas au même niveau. Certains sont incroyants, ils viennent à l'Église, alors ils font de ceci leur Église. Certains sont des rétrogrades qui font de l'Église leur Église. Certains ont cette habitude-là qui leur est particulière et chaque fois c'est ce qu'ils font. Et d'aucuns sont doux, bons, mais ce que je dis c'est que ce ne sont pas tous les membres qui vont agir de la même manière. Parfois on se demande, mais pourquoi? Faut pas demander pourquoi. C'est pourquoi vous êtes là, pour les aider afin qu'ils soient ce qu'ils doivent être. Maintenant, Moïse devait savoir, il connaissait les gens-là depuis leur départ, depuis qu'il les a fait sortir de l'Égypte. Ils murmuraient, ils se plaignaient, ils se querellaient. Alors, ce n'est pas chose étrangère à Moïse. Moïse devait savoir que voici comment ces gens-là agissaient et ne devait pas permettre au caractère des gens, à la rébellion des gens et à la querelle des gens de le pousser, l'acculer à dire quelque chose. Alors, nous parlons de la délivrance et la domination sur la colère dans la vie et le ministère. Dans notre vie personnelle, entre mari et femme, femme et mari, parents et enfants, et les beaux-parents, tout le monde, et vous, quelques mois que vous avez vécu ensemble, vous connaissez déjà le caractère de votre femme, vous connaissez déjà le caractère de votre conjoint. Donc, se fâcher dans la vie, alors, n'est pas bonne chose. Alors, ce n'est pas nécessaire. Alors, vous êtes au bureau, vous travaillez là-bas, vous connaissez le caractère de votre collègue, vous connaissez le comportement et la tendance des gens. Alors, vous le connaissez, vous vivez dans un quartier, déjà vous connaissez les gens, vous savez comment ils sont et vous savez leur comportement. Si vous savez cela, vous étudiez cela, alors vous devez tout faire que toutes ces choses-là qui vont vous fulminer, les choses qui vont vous provoquer, les choses qui vont vous irriter, qui vont vous faire pousser à faire des choses, à dire des choses que vous ne devez pas dire, que vous deviez en triompher. Dans la vie, dans le ministère, on a la délivrance de la colère et nous avons la domination sur la colère. Nous allons voir trois points dans le message. Premier point, la conséquence grave de la colère manifestée par Moïse. Et cette manifestation de colère a une conséquence grave sur sa vie, sur la vie de Moïse, sur l'appel de Moïse, sur son désir, sur la vision. Je vais au pays de Canaan, je vais à la terre promise. Ce qui était arrivé là-bas a tout affecté. Et deuxième point, c'est la considération solennelle de la colère inutile dans le ministère. La colère inutile dans le ministère. Un ministre est un messager. Il a été envoyé par Dieu d'aller délivrer quelque chose. La bonne nouvelle, le message au peuple de Dieu. Tu n'es qu'un simple messager. C'est comme lorsqu'un conducteur, un livreur doit aller livrer la nourriture ou bien un colis à quelque part. Il n'a rien avec les gens.
Ben, il n'y a pas d'offense particulière. Il va là-bas, il livre le colis. Si les gens ouvrent le colis, ouais, tant mieux. S'ils n'ouvrent pas, tant pis. S'ils ont réagi d'une manière ou d'une autre au colis qu'il a livré, ça, c'est leur décision. Ce n'est pas votre message, ce n'est pas votre colis. Alors, vous êtes un livreur, un ou bien un postillon. Alors, chaque ministre doit savoir que vous êtes venu à l'Assemblée. Il n'y a rien de personnel. Le Seigneur vous a donné un message que vous livrez ou bien que vous délivrez au peuple. Ce qu'ils font avec le message, comment ils réagissent au message, alors c'est entre eux et Dieu. Donc, il ne faut jamais prendre comme étant personnel. C'est ainsi, c'est là qu'on se trouve dans le problème. Ce n'est pas votre message, vous l'avez délivré et les gens agissent de cette manière, de l'autre. Et puis, on se sent blessé. Pourquoi ils me font ce soir? Ils ne vous traitent pas de cette manière. Ils le font à Dieu. Moïse l'aurait compris. Dieu a dit, prends la verge. Va au rocher et parle au rocher. Et Dieu va faire à me ramener l'eau. C'est ce qu'il devait faire. Au sujet de la rébellion des gens, à la contradiction des gens, le style de vie des gens, cela ne doit pas être quelque chose qui doit acculer Moïse. Parce qu'il faisait cela à Dieu. Et nous allons voir la considération solennelle de la colère inutile dans le ministère. 3. Les vainqueurs inébranlables de la colère mortifiée par la tempérance. Ah oh, ils sont les vainqueurs. Celui qui regarde la colère et la mortifiée. Et a tué cette colère. Et a détruit cette colère. Il en est totalement affranchi. Et la colère qui conduit les autres dans le problème. Premier point, nous allons voir la conséquence grave de la colère manifestée par Moïse. Nous avons déjà lu le passage. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, la cause et le prix de la colère de Moïse. 2, la grossièreté. Donc, la grossièreté et la malédiction dans la colère ministérielle. Dans la colère ministérielle. Vous tenez sur le pupitre. Alors, c'est un appel sacré. Vous tenez sur le pupitre. C'est une position sacrée. Et cela n'est pas le lieu où il faut faire manifester la colère et fulminer. Et cela peut apporter la colère sur le ministère qui a le ministre qui démontre une colère ministérielle. 3. Il y a la conséquence et la condamnation de la colère des messagers. Les messagers ont le rôle de livrer ou bien de délivrer. Livrer le colis du ciel, délivrer le message du ciel. Ils sont des messagers. Et alors, ils vont agir comme si les gens sont des bêtes de somme. Ils vont les traiter n'importe comment. Non. Première partie ici, la cause et le prix de la colère de Moïse. Psaume 106. Psaume 106, verset 36. Il servit, psaume 106, et verset 32 dit, il irritait l'Éternel près des eaux de Meriba, et Moïse fut puni à cause d'eux. 33, car il aigrit son esprit. Votre esprit est au-dedans de vous. Si quelqu'un de dehors, hors de votre entité, hors de votre corps, peut entrer et provoquer votre esprit, vous n'êtes pas vigilant. Si quelqu'un du dehors peut inciter, peut aigrir votre esprit par la façon dont la personne agit, la façon dont la personne parle, vous n'êtes pas au contrôle. S'il y a une partie de notre vie qui est si importante, alors nous devons garder cela sous contrôle. S'il y a une partie de notre vie qu'on doit
garder sous contrôle, ce doit être notre esprit. Mais si on ouvre la porte, Satan contrôle votre esprit, alors que la société contrôle votre esprit, vous ouvrez la porte et les gens, avec leur caractère, leur comportement, ils contrôlent votre esprit. Alors ça veut dire qu'on n'est pas sage. Donc, il aigrit son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. Voyons, Deutéronome 4, verset 21. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, à cause de ce qu'il a fait, à cause de comment Moïse tu as réagi, pas à cause de ce que les gens ont fait. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Alors un ennemi peut faire n'importe quoi. Une personne familière, qui vous a étudié, sait comment vous êtes. Il peut faire n'importe quoi. Et vous pouvez, sinon vous voir dans la piège de la personne comme ça. Et la personne déjà prédit que, oui, si tu fais comme ça, voici comment vous allez agir. Et les gens prédisent, et les gens peuvent prédire votre action. Et dès qu'ils prédisent votre action, ils peuvent déterminer votre destin, votre destinée. Ils peuvent prédire ce que vous allez faire dans la vie, votre réalisation. Ils peuvent mettre une entrave dans la voie, parce que s'ils peuvent prédire que c'est ainsi que vous êtes. Mais si tu peux les prendre par surprise, comme les enfants d'Israël ont encore commencé, et tu vas devant le Seigneur, et tu as mis ton visage comme Moïse et Aaron le faisaient. S'il a continué comme ça, les gens ne pouvaient pas prédire son acte. Vous voyez, si vous voyez Moïse, il revenait de la montagne, et il a vu que ces gens se sont égarés de Dieu, et ils ont embrassé l'idolâtrie, et il a les deux tables du décalogue, et il a frappé ça, et par terre, et tout est cassé. Les gens voient que ceci arrive, tu te fasses, et Pharaon dit que tu ne verras plus ma face, Moïse, s'est fâché et que je ne te verrai plus. Alors, il faut examiner votre colère. Si vous continuez d'agir comme ça, les gens vont dire que c'est ainsi qu'ils se fâchent. Alors, il y a le danger. Et il disait que l'Éternel était fâché. Il s'était irrité contre moi, que je n'irai pas. Et 21, et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. 22, je mourrai donc en ce pays-ci. Moïse, est-ce que nous pouvons blâmer quelqu'un? Non. Est-ce qu'on peut blâmer les enfants d'Israël? Non. Si tu t'es séparé de leurs actes, si tu t'es séparé de leur attitude, cela n'aurait pas arrivé. Et cela ne serait pas arrivé. Ouais, la balle est dans ton camp. C'est dans le camp de la personne qui manifeste la colère. Et il disait que je mourrai dans ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain. Mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Est-ce que nous pouvons un peu réfléchir? Les gens n'ont pas d'eau. Moïse a frappé le rocher. Les gens ont eu de l'eau. Et donc, ils ont pris l'avantage de tout. Non seulement ça, les gens vont aller au pays, à la terre promise. Moïse a travaillé plus que tout le monde. Les gens-là, eux-là, ils ont seulement la voie ouverte, et ils font ce qu'ils veulent faire, les jeunes, la génération jeune, ouais, et eux, là, c'est eux, ils vont aller, ils prêtent, ils sont allés, mais Moïse n'est pas allé. Pourquoi ne pas bien penser et dire que ces gens-là, si,
sur le pupitre, dans le ministère, avec le peuple de Dieu, alors ils ne comprennent pas que si toi, tu n'es pas aussi lent que toi, alors si tu as la conviction, c'est le don de Dieu. Si tu es juste, c'est le don de Dieu. Si eux, ils n'ont pas ce que tu as, s'ils ne sont pas aussi consacrés que toi, oui, Dieu t'a favorisé, que tu as ce qu'ils n'ont pas. La colère, alors, n'est pas justifiable. Alors, vous irez au bon pays, et l'homme là s'est fâché contre eux, et il n'ira pas, et il ne traversera pas ce Jourdain. Voyons, Deutéronome, chapitre 1, 37. Ici, l'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous que le Seigneur s'irrite contre vous à cause de quelqu'un? Oui, les gens dans le physique, ils ont divers quotients intellectuels. Les gens ont diverses situations dans leur vie. Et il y a des gens qui ont l'autisme et les autistes et ne réagissent pas comme nous autres. Ils ne comprennent pas ce qu'on comprend et ils ne sont pas au contrôle des membres de leur organisme et ils ne raisonnent pas comme nous. C'est ainsi que la personne est. Et si un miracle n'a pas lieu, la personne va se comporter de cette manière. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont l'autisme spirituel? Ils ont cette déficience. Et si un miracle n'a pas lieu, ils vont continuer d'agir avec cet autisme spirituel. Même si vous vous fâchez contre la personne, l'autisme là est là. Le défi là est là. C'est ainsi que la personne va se comporter. Donc ne permettez pas aux gens qui ont de diverses déficiences dans leur vie morale, dans leur vie spirituelle, de vous empêcher. Et dit ici que l'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. Voyons la deuxième partie ici. La grossièreté et la malédiction dans la colère ministérielle. Allons à 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 12, verset 5. La colère de David s'enflamma violemment. Nathan le prophète est venu voir David et lui raconter une histoire. Il y a quelqu'un dans ton royaume, il ne savait pas qu'il s'agissait de lui, que la personne a fait ceci et cela. Lorsque Nathan a fini de lui relater l'histoire, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il va maintenant prononcer un jugement. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Pourquoi ne pas ralentir un peu et bien penser? Et lorsque nous écoutons un message, lorsqu'on entend une parabole, lorsqu'on entend une déclaration, on aurait cru que c'est une autre personne, et puis on serait dur sur l'autre personne. Lorsqu'on aurait appris que c'est l'autre personne, on serait dur contre la personne. Et nous sommes durs avec nous-mêmes. Si c'est toi qui avais fait ça, comment allez-vous réagir? Comment auriez-vous voulu que les autres réagissent envers vous? C'est le problème de la colère lorsque quelque chose arrive. On croit que c'est l'autre personne qui fait ça. Il ne doit pas faire comme ça. Et vous ne pensez pas à vous-même. Qu'avez-vous fait dans le passé que vous ne deviez pas faire? Qu'avez-vous fait? Qu'auriez-vous fait présentement dont vous n'étiez pas même conscient? Alors, vous n'êtes pas conscient. Alors, Moïse n'était pas conscient de ce qui était arrivé. Et c'est-à-dire que la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et dit à Nathan, l'Éternel vivant, verset
6, il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et voilà le verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Revenons à Moïse. C'est ainsi que ces gens réagissent. Moïse, que penses-tu? Mais si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu serais comme eux. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu agirais comme eux. Si ce n'était pas l'impact du Seigneur dans votre vie, vous seriez comme eux. Donc, au lieu de s'énerver, alors tu crois que si je n'ai pas la grâce de Dieu, si je ne suis pas allé au sommet de la montagne, si le Seigneur ne m'a pas favorisé pour être, pour le rencontrer, je serai comme eux. Si je suis comme eux, alors si j'étais comme eux, comment aurais-je voulu que les dirigeants réagissent envers moi? Si je suis faible dans la prière comme eux, si je ne suis pas allé à l'intérieur du sanctuaire, si je suis comme eux, j'agirai comme eux. Si vous ramenez la chose à vous-même, cela va vous calmer, va vous ralentir. Et Nathan a dit à David que tu es cet homme. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. David a prononcé le jugement que l'homme-là doit mourir et doit sinon repayer la chose au quadruple. Mais comme Dieu est miséricordieux envers David et comme Dieu est miséricordieux envers vous, sachant que toutes les fois qu'on s'irrite contre quelqu'un, on n'agit pas par amour, alors on veut lui arracher un morceau de chair, on veut avoir tout ce qu'on veut, même ôter de la personne, il doit souffrir pour ceci. Si Dieu doit faire ça pour vous, que tu es l'homme là, tu es la femme là, où seriez-vous? Nous allons au Nombre 22, Nombre chapitre 22, voilà le verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. La colère de Balaam s'était enflammée. L'ânesse a vu l'ange et a vu l'épée dans la main de l'ange et voulant égorger Balaam. Et en protégeant Balaam, en évitant l'ange là, l'ânesse était allée ailleurs et faisant quelque chose de bon que Balaam ne comprenait pas. Combien de fois les gens faisaient de bonnes choses pour nous, mais on ne comprenait pas. Les bonnes choses que ces gens-là essayaient de nous faire ne se présentaient pas, de façon normale, et comme de façon habituelle. Alors, ce n'était jamais vu comme au départ, comme on le connaît. Et l'enfant-là n'a jamais agi de cette manière dont on interprète mal l'action de la personne. Les gens aussi ont leurs défis. Ils venaient de la maison, ils avaient leurs choses en tête, ils avaient leur fardeau qu'ils portent. Alors, et ils condamnent le futur, ceci peut arriver, ceci peut leur arriver. Alors, ils s'oublient et ils font des choses. Parfois même, ils font des choses pour nous aider, ils prient pour nous, ils pourvoient nos besoins, mais on s'irrite parce qu'on comprend mal leur action. Alors, vous ne pouvez pas savoir pourquoi les gens font tout ce qu'ils font. Votre interprétation de ce que les gens auraient fait pourrait
vous irriter. Verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Verset 29. Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'homme là était toujours en colère. Qu'est-ce qui initie cette colère en vous? Quand vous voyez votre vie, la direction que vous empruntez, le Seigneur veut ôter, vous prévenir de la mort inutile, spirituelle, éternelle. Et il a permis à l'ânesse de faire ce qu'elle a fait pour votre protection et votre préservation. Et vous irritez. Verset 30. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse? Mais regardez ceci. L'ânesse parlait avec la voix, avec la langue, elle parlait le dialecte de Balaam. Cela n'a même pas étonné Balaam. Ouais. On oublie, on ferme les yeux sur un grand miracle lorsqu'on s'irrite. Ouais. La colère est une folie momentanée parce qu'on est fou. En ce temps-là, on ne fait pas usage de notre cerveau. On est seulement dans cette folie et puis on s'oublie. À l'exemple de Balaam, toutes les fois que vous avez tendance à laisser la colère aller, sachez que la folie vient. Et la folie là va bouder votre cerveau, engourdir votre cerveau et dit. L'ânesse dit, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'ânesse était temporairement intelligente. Si un miracle peut arriver à une ânesse, un miracle va m'arriver. Et l'ânesse ne s'est pas irritée. L'ânesse a dit, ah maître, pourquoi tu me frappais? Oh, tous ces jours-là, je te portais. Est-ce que j'avais agi de cette manière? L'ânesse ne s'est pas irritée. Comment une ânesse peut être au contrôle de son tempérament, de sa nature animale, plus que l'homme qui devait être prophète? Pensez-y. Verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Maintenant, comme il a vu l'ange, tout a changé. Notre tempérament va changer quand nous voyons ce que nous devons voir. Notre émotion va changer si on a vu la révélation qui provient du ciel. Vous voyez, on agit de cette manière et on est violent, on est impétueux et on ne se contrôle plus parce qu'on manque de révélation. Mais si le Seigneur nous révèle, regarde ceci et cela, et qu'on n'a jamais vu au départ, cela va nous calmer. Verset 32. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » 33. L'ânesse m'a vu
et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Et que le Seigneur vous fasse voir à tout moment ce que vous ne voyez pas que les autres voient. Quand vous voyez cela, votre émotion ne va pas monter et la colère ne sera pas là. Deuxième chronique, chapitre 25, verset 7. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit au roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Verset 8. Si tu vas avec eux quand même, tu ferais au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Verset 9. Amathia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Le verset 10. Alors Amathia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm afin que ces gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda et ils s'en allaient chez eux avec une ardente colère. L'histoire est que Amathia allait au combat, il est de Juda, il était de Juda, et ces puissants, vaillants, ces vaillants soldats d'Israël ont été appelés par lui et leur a payé une importante somme d'argent. Et l'homme de Dieu est venu voir Amathia de ne pas les laisser aller avec lui parce que l'Éternel n'est pas avec eux. Ah, je leur paye une grande somme d'argent, mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, il ne faut pas te repayer ça, mais laisse ça, le Seigneur va te payer plus que ça. Alors, et Amathia est allé voir les gens que s'il vous plaît, vous n'allez pas aller, mettez-vous à part, ce n'était pas sa faute, c'est ce que Dieu a dit, il n'agit pas indépendamment. Alors, contre eux, c'est parce qu'il a reçu la parole du Seigneur et l'homme de Dieu a dit, et s'ils vont avec toi, que tu vas tomber entre les mains des ennemis. Dieu a dit, mets-les à part qui va t'aider. Et les gens se sont irrités. Chaque fois, il faut penser, lorsque quelque chose arrive, alors que on t'a donné l'opportunité, quelque chose t'est arrivé, on t'a dit que, s'il vous plaît, n'allez pas aller avec nous. Il ne faut pas vous irriter. Pourquoi? Parce qu'il aurait découvert quelque chose, Dieu lui aurait parlé. Et si vous comprenez, si on comprend que ce que nous faisons dans la vie, quel que soit là où nous sommes arrivés dans la vie, Dieu est celui-là qui orchestre tout, qui organise tout, qui supervise tout. Si il ferme cette porte deux fois, retourne à Dieu. Dieu, pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi cela arrive? Allons au verset 11. Amathia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel et il battit 10 000 hommes des fils de Séir. Verset 12. Et les fils de Juda en saisirent 10 000 vivants qu'ils menèrent au sommet d'un rocher, d'où ils les précipitèrent et tous
furent écrasés. Il avait la victoire. Sans le soutien de l'armée qu'il a fait rentrer. Verset 13. Cependant, les gens de la troupe qu'Amathia avait renvoyée pour qu'il n'allasse pas à la guerre avec lui, firent une invasion dans les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Ils tuèrent 3000 personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. La colère punit des innocents pour d'autres personnes. Les villes qu'ils ont envahies, qu'ils ont saccagées, détruit les gens, ils n'avaient rien fait de mauvais. Ils n'ont pas su ce que Amathia a fait. Mais ces gens, portés par une grande colère, ont fait cela. Ouais, lorsque les gens se mettent en colère, ils ne voient pas les gens innocents, ils ne voient pas les gens qui n'ont rien fait de mauvais, et ils punissent de mots, ils punissent d'autres personnes pour une autre personne. Soyons-en prudents. Lorsqu'on parcourt la vie, qu'on soit raisonnable. Lorsqu'on parcourt la vie, qu'on soit juste. Lorsqu'on parcourt la vie, qu'on ne cause pas des problèmes pour les innocents. Et à cause de ce que quelqu'un d'autre a fait. Troisième partie, il y a la conséquence et la condamnation de la colère des autres. Deutéronome chapitre 3 et le verset 23. En ce temps-là, j'ai imploré la miséricorde de l'Éternel en disant: Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Verset 25. Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Verset 26. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. Voyez, Moïse qui a prié pour toute une nation, que accepte le comme ton peuple, faut pas le désavouer. Et Dieu lui a répondu, Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Il a dit non, accepte ces gens comme ton peuple. Et Dieu a répondu, mais sur cette affaire particulière, le Seigneur a dit que il ne va pas l'écouter. Le Seigneur, mais l'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. C'est ainsi que l'affaire était très grave. C'est peut-être une colère momentanée, mais la chose-là peut se prolonger jusqu'à une répercussion très sérieuse. Ecclésiaste 7, 9. Ne te rate pas en ton esprit de t'irriter. Lorsqu'on se rate, on n'analyse pas la situation. Lorsqu'on se rate, on ne pense pas bien. On ne mûrit pas ses réflexions. Bien penser, du coup, comment, pourquoi, si j'emprunte cette direction, quel en sera le résultat? Celui qui va analyser les choses, il doit prendre le temps. Mais quand on se rate, il n'y a pas le temps pour la réflexion. Car
l'irritation repose dans le sein des insensés. La colère repose dans le sein des insensés. Ecclésiaste 8, verset 9. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Regardez ceci. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Il y a un temps où l'homme, il veut être en autorité, il veut être au contrôle de tout et non au contrôle de lui-même et non au contrôle de son tempérament, mais au contrôle des autres. Il fait cela pour son propre préjudice. Moïse a voulu que les gens lui obéissent, que je suis votre dirigeant, vous ne devez pas être rebelle. Et haïssez de cette manière, il ne faut plus murmurer. Et lorsque les gens n'ont pas réagi tel qu'ils l'espéraient, ils s'étaient irrités et la colère était condamnée. Et c'est dit que il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Nous, les dirigeants, parfois, on oublie. Et que nous aussi, nous sommes en train d'aller au ciel. Que nous devons aussi rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le ciel, personne ne verra le Seigneur. Et on porte l'autorité sur notre tête. On porte l'autorité des gens sur la tête. Et on veut avoir le contrôle sur les gens. Si les gens ne répondent pas tel qu'on le veut, et puis on s'égare. Et puis, nous nous blessons et nous arrêtons notre voyage et nous manifestons un mauvais tempérament en essayant de contrôler les autres. Mais vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui va accepter ce contrôle. Ils vont dire que après tout, je ne suis pas converti à cause de toi. Oui, va qu'à tes affaires. Je ne suis pas né de nouveau, j'ai entendu la parole de Dieu, je suis dans le royaume, je connais la parole, je peux diriger ma vie. Mais il dit non, il dit non, tu ne vas pas diriger ta vie, moi je vais te contrôler, je vais te contrôler. Si tu n'acceptes pas ma gouvernance, je vais me fâcher. Il faut te fâcher, tu te fâches et puis tu perds beaucoup de choses. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Nous allons au deuxième point, nous allons voir ici la considération solennelle de la colère inutile dans le ministère. La colère inutile dans le ministère. La colère qui n'a pas de valeur, qui n'a aucun avantage, qui n'a aucune signification. La colère inutile dans le ministère. Nous allons voir trois sections ici. 1. La colère inconsidéré des ministres ingrats. 2. La colère impétueuse des ministres irréfléchis. 3. L'angoisse interminable des moqueurs indomptables. Numéro 1. Nous allons voir ici la colère inconsidérée des ministres ingrats. Jonas 4, 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Qu'est-ce qu'il a déplu? C'est parce que Dieu a épargné, a sauvé les Lévites. Jonas a dit encore 14 jours et Ninive est détruite. Et le cabinet du roi, le roi lui-même, tous les Ninivites, les bêtes, tout le monde a jeûné. Et le Seigneur a vu que ces Ninivites du roi jusqu'au dernier citoyen, tous se sont repentis et Dieu a eu pitié d'eux. Jonas était ingrat. Lui aussi s'était égaré.
Il était dans le bateau. Il y avait une grande tempête que, devant te faire, il a été jeté. Selon sa requête, il a été jeté à la mer. Et la baleine l'a englouti. Il a prié que je regarderai à la direction du Seigneur. Il a dit que j'abandonne le vrai chemin et j'abandonne la voie de mon salut. Le Seigneur a vu cela et le Seigneur a pitié de lui. Et la baleine l'a vomi à la plage et une deuxième chance pour lui de se lever et aller parler aux Ninivites. Et il a oublié la miséricorde que Dieu lui a manifestée. Ingrat. Il est ingrat de la miséricorde de Dieu. Si nous nous rappelons, depuis que nous sommes nés de nouveau, des choses insensées que nous avons faites, et Dieu a pardonné. Des choses non scripturaires que nous avons dites, et Dieu a pardonné. Et des péchés flagrants qu'on a commis, et depuis qu'on est devenu né de nouveau, Dieu a pardonné cela. Maintenant, on est debout, et nous sommes maintenant ministres. Nous sommes maintenant enseignants de la parole et quelqu'un a fait chose pareille que nous avions fait. Vous rappelez bien l'année, le temps là qu'on a fait cela. Et Dieu nous a pardonné. Une autre personne sous notre administration, notre responsabilité, sous notre leadership a fait cela. Par la grâce et non par le droit, Jonas ne devait pas être rappelé de venir à Ninive. Ce n'est pas le droit, ce n'est pas la grâce. Et Dieu a pardonné aux Ninivites. Et Jonas s'est irrité. Lorsqu'on s'irrite de cette manière, on est irréfléchi. On est ingrat. Verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. » Au fait, il glorifiait sa rétrogradation que j'ai ma raison d'aller à Tarsis. Et il se vantait de sa déviation. Il vantait son égarement. Ouais. Lorsque vous pensez aux autres, vous ne pensez pas à votre miséricorde. La miséricorde que le Seigneur vous a accordée, vous êtes devenu un ministre ingrat. Et même, il se vante maintenant de ce qui s'est passé dans le passé. Il disait que quand je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, dans la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Verset 3 dit, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Jonas, lorsque tu étais dans le ventre de la baleine, as-tu oublié? Tu as prié ardemment afin de ne pas mourir là-bas. Et Dieu t'a exaucé. La prière, la vie que tu as préservé et la mort que tu as évité, maintenant tu dis maintenant que ôte ma vie. Lorsque les gens se fâchent contre quelque chose, ils oublient ce qui arrive après la mort. Je vais mourir, ils s'irritent. Les choses ne vont pas comme ils espèrent et ils n'obtiennent pas ce qu'ils attendent et les choses ne les satisfont pas. L'action de Dieu envers les Ninivites n'a pas, les actions de Dieu n'ont pas satisfait Jonas. Je vais mourir. Si tu meurs de cette manière, où iras-tu? Où passeras-tu l'éternité? Ils sont ingrats et de la prière qu'ils font. Et il dit ici que l'Éternel, et il dit que il vaut mieux pour lui. Et maintenant, Éternel, prends donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. 4. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Jonas pense à la façon dont j'ai pitié de toi. Jonas pense à qui
tu parles, pense à la toute-puissance de Dieu, à l'omnipotence de Dieu. Tu es un simple homme ici, tu as été favorisé et tu parles à Dieu de cette manière. Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Verset 9. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Vous voyez, nous devons être très prévenants et réfléchir. Notre émotion dans le cœur, le sentiment dans le cœur est ralenti et bien pensé. Lorsque vous pensez, alors rendez grâce au Seigneur pour ce qu'il vous a fait et il n'y aura pas de colère. Allons à Jean chapitre 7. Jean 7. Voyons le verset 23. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Pensez au fardeau que j'ai ôté de sa famille. Cet homme qui était paralysé pendant 38 ans, regardez la joie que j'ai amenée dans sa vie. Pensez à la bonté du ciel que j'ai amenée. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas seulement fait à cet homme, mais à vos proches et aux gens de votre ville. Vous vous irritez parce que j'ai fait cela le jour du sabbat. Est-ce que vous avez droit de vous irriter parce que j'ai guéri tout un homme le jour du sabbat? Verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Plusieurs fois, quelque chose est arrivé comme ça. Alors, on juge. On est très hâtif de tirer une conclusion. Et alors, par notre colère, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Allons à Luc. Luc 15, verset 26. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ça, c'est le frère aîné du fils perdu, le fils prodigue qui est revenu à la maison. Son père est content et son père le célébrait. Et l'aîné de retour du champ a dit, qu'est-ce qui se passe à la maison? Verset 27, ce serviteur, on dit que son père, ton frère est revenu à la maison et le père a tué un beau, le père a tué le veau gras pour le célébrer. Et le verset 8 dit, il se mit en colère. Le frère aîné, pourquoi te fâches-tu? Ton cadet et les gens qui venaient d'arriver, les gens qui venaient de se convertir, les gens qui viennent d'entrer dans le royaume, les gens qui viennent d'être restaurés, nous sommes si contents que le rétrograde maintenant s'est repenti. Comme il s'est repenti, on est content, on dit, mais reste ici, fais ceci, fais cela. On lui a donné l'opportunité et une responsabilité. On lui a donné le feu vert d'être avec le peuple de Dieu ici. Et l'homme est content que voici ce que je manquais. Et toi, tu es là, le frère aîné, la sœur aînée, et tu étais fidèle. Tu n'as pas rétrogradé, tu n'étais pas sorti. Tu travailles pour le Seigneur et celui qui venait d'arriver, toute attention portait sur lui et tu t'es irrité. Tu étais là par la grâce. Tu demeures là par la grâce. Tu sers par la grâce. Ce n'est pas par mérite. Donc si la faveur
a été faite à celui qui vient d'arriver, à la personne qui vient de se convertir. Ce n'était pas comme ça au départ. Avant que je ne devienne un ouvrier, je suis resté 7 ans. Avant que je ne devienne un pasteur d'Annès, je suis resté 10 ans. Avant que je ne devienne un pasteur de district, j'étais là. Ils m'ont dribblé, m'ont interviewé, ils ont tout fait avant que je ne devienne maintenant celui-ci, lui-là. Alors, les gens là rabaissent le standard. Alors, on se réjouit parce que celui-ci là vient d'arriver comme ça. Il faut être réfléchi. Ne soyez pas comme ce Jonas ingrat à qui le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur vous a fait grâce. Et vous ne faites pas grâce à la personne qui vient d'arriver. Et le frère se fâche. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Nous allons à la deuxième partie ici. Qui est la colère impétueuse des ministres irréfléchis. La colère violente, impétueuse. Ouais, quelque chose se passe et puis tu bondis comme un lion et tu bondis sur les gens. Quelque chose s'est passé quand tu bondis sur eux. Mais calme-toi. Tu, le lion là, au-dedans de toi, ne sont pas créés à mener notre vie dans l'impétuosité. La raison pour laquelle Dieu nous a donné le cerveau, c'est pour penser avant de sauter. C'est pour méditer quel en sera le résultat. Voyons Daniel 2, verset 11. Daniel 2, verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Voilà le verset 12. Verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Nebuchadnezzar, est-ce qu'on peut discuter? Tous les sages, tous les conseillers, tous les juristes, tous les conseillers des affaires, des relations publiques, tous les conseillers spéciaux, tuez-les, massacrez tout le monde. L'homme là était complètement irrité. Et même si tuez-les, si on tue tout le monde, comment vas-tu les remplacer? Même Sadrach, Meshach, Abednego qui devait et Daniel aller et tu devais être instruit selon la langue des Babyloniens, tuez-les, tuez tout le monde. Mais si on, quand on s'irrite, on oublie qu'on a besoin de ces gens dans notre vie, pour notre appel, pour notre ministère, pour notre soutien, pour notre progrès. Lorsqu'on est, on se fâche, on est irréfléchi. Ouais. Ce qui vous fait irriter, pourquoi ne pas s'asseoir et penser, si je fais ceci, si je fais cela, si je fais cela, et que je tue et que je détruis tous les conseillers, tous les assistants, tous les supporters, tu te fâches contre ton mari, ta femme, si je fais ceci, qu'est-ce qui va arriver aux enfants? Tu te fâches contre ton mari, si je fais ceci, qu'est-ce qui va arriver aux enfants et à la famille? Qu'est-ce qui va arriver à votre nom et à votre futur? Nebuchadnezzar ne pensait pas de cette manière. Verset 13. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. S'il continue de cette manière, Daniel ne serait pas en mesure d'interpréter le songe de Nebuchadnezzar et David et Daniel ne seraient pas en mesure d'interpréter les autres songes qui ont suivi dans le chapitre, au chapitre 4. Soyez prévenants, bien réfléchis. Lorsque quelque chose arrive comme ça,
Allons, Proverbe 27, voilà le verset 3. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. La colère impétueuse. Et elle fait des choses violentes dans notre vie. Matthieu 5, 22. Matthieu 5, 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, sans penser, sans cause, sans méditer, sans bien penser, est-ce que ceci justifie la colère? Est-ce que ceci justifie le fait de tout déraciner, saccager tout? Est-ce que ceci justifie la destruction des biens et des vies? Est-ce que ceci justifie et la destruction et la démolition de ce qui a été bâti pendant 50 ans? Alors, lorsque vous pensez à toutes ces choses, alors vous serez lent. Et c'est dit que, mais quiconque, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, mais celui qui dira à son frère raca, ça veut dire imbécile, insensé, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira à cause de la colère insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Numéro 3 ici, c'est l'angoisse interminable d'un moqueur indomptable. Les gens qui écoutent la parole de Dieu et ils s'en moquent. Ils continuent tel qu'ils le font. Ils continuent. Et maintenant, l'angoisse qui vient sur eux. L'angoisse qui vient sur eux. Romains chapitre 2. Romains 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impétent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6 dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 8 dit, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissance à l'injustice. Verset 9, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. S'irriter, se fâcher, agir par colère, parler avec colère est mauvais. Premièrement, puis pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité
qui est une idolâtrie. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Vous mortifiez toutes ces choses. Détruisez toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. À la colère. Détruisez cela. À l'animosité. Détruisez cela. À la méchanceté. À la calomnie. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Parce que si vous ne faites pas cela, il y a le châtiment éternel pour les gens qui demeurent dans la colère, qui demeurent avec l'irritation, qui demeurent avec l'animosité. Apocalypse 14, 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Si vous recevez la nature de l'Antéchrist, de Satan, qui était sorti avec une grande colère pour séduire, pour détruire, sachant que son temps est court, ayant sa nature, ayant sa marque, avoir son attitude, avoir ses attributs, avoir sa colère et mener une vie de colère comme si Satan, le lion rugissant, vit au-dedans de vous. Rappelez-vous l'éternité, là où vous passerez l'éternité. Nous allons au troisième point. Troisième point, nous allons voir les vainqueurs inébranlables de la colère mortifiée par la tempérance. Vous priez, vous permettez à la puissance du Seigneur d'écraser cette colère, de mortifier cette colère, de détruire cette colère. Et c'est complètement détruit. Et vous avez la maîtrise de vous-même. Vous n'êtes pas poussé que j'ai été poussé à faire ça. Pourquoi tu t'es permis de te pousser toi-même? Pourquoi tu t'es laissé faire? Pourquoi tu t'es laissé à pousser? Tu t'es laissé à te pousser jusqu'à faire cela. Pourquoi tu permets à quelqu'un là-bas d'avoir la télécommande sur ta vie, te téléguide, il te pousse. Que le Seigneur s'établisse dans ton cœur, qu'il ait l'autorité sur ta vie, que tu n'es plus sous la pression d'être poussé. Je ne serai plus poussé par une autre force. Dites cela. C'est bon pour vous d'avoir le contrôle de ce que vous faites. Le contrôle de ce que vous dites, le contrôle de là où vous allez et le contrôle de votre action. Afin qu'au moins que vous sachiez que oui, je suis au contrôle, pas au contrôle de la vie des autres, mais je suis au contrôle de ma vie. Je suis au contrôle de mon émotion. Je suis au contrôle sans colère. Nous allons à deuxième Timothée. Verset 5, 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée 2, 2 Timothée 2 verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Tout ce que vous faites, il faut vous efforcer de le faire selon les règles. Vous prêchez, faites cela selon les règles. Vous conseillez, faites cela selon les règles. Vous voulez aider les gens, il ne faut pas avoir un contrôle impétueux des gens. Les gens aussi ont droit à leur vie.
Ils ont droit de vivre selon leurs convictions, même s'ils sont trop lents pour vous. Laissez-les qu'ils soient responsables de leur propre vie. Alors, vous voulez les aider? Alors, vous faites cela comme quelqu'un qui a maîtrisé la colère, quelqu'un qui a le contrôle de la colère. Et le verset 6 nous dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Verset 7 dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Que le Seigneur vous donne la compréhension de votre cœur, la compréhension de vos habitudes, la compréhension de votre tendance, la compréhension des choses que vous faites et comment vous les faites. Et les gens se plaignent, c'est ainsi que ma voix est. Et moi, je ne suis pas fâché, il ne faut pas parler de cette manière. Ça doit être la colère. Avant de parler, cela se montre au visage, cela se montre dans la voix. Comprends ce que tu dis. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, c'est l'exigence intemporelle de l'affranchissement de la colère de l'homme. Votre propre colère. Dieu exige que tu en sois affranchi. La colère des justes, la furie comme celle de Nebuchadnezzar. Si tu ne fais pas ceci, je vous jette dans le feu. Soyez affranchi de la colère de toute personne sur la terre et de la colère dans votre propre vie. 2. C'est la délivrance et la libération totale de la colère malicieuse. La colère malicieuse. Que Dieu nous affranchit de tout cela. 3. La domination totale à travers la plénitude de l'expiation du Messie. Première partie ici, l'exigence intemporelle de l'affranchissement de la colère de l'homme. Psaume 37 et verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Verset 9. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Amen. Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. 32. Soyez bon, pas de colère, soyez bon, pas de furie, soyez bon, pas d'indignation, soyez bon, pas de furie, pas de courroux au-dedans. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Alors, pensez d'abord, regardez d'abord, observez d'abord, contemplez d'abord, méditez d'abord sur la répercussion si j'agis de cette manière. Lent à la colère, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà la deuxième partie ici. C'est la délivrance et la libération totale de la colère malicieuse. Romains
chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Oui, la colère demeure dans le vieil homme. C'est la dépravation qui a apporté la querelle. La colère, c'est pourquoi Caïn s'est irrité parce qu'à cause de la dépravation, il n'était pas transformé, changé. Et cette colère dans sa dépravation l'a poussé à tuer son frère Abel. C'est la dépravation en Ésaü qui l'a mené à ce niveau de tuer Jacob, que la mort de mon père s'approche et je vais l'éliminer. Et c'est rentré dans plusieurs années d'histoire et s'est transféré à ses descendants, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Verset 18 dit, « Ayant été affranchi du péché, la colère, le péché, vous êtes affranchi du péché, vous êtes affranchi du péché de la colère. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. La sainteté n'embrasse pas la colère. La sainteté n'embrasse pas le regard coléreux, la disposition coléreuse contre quelqu'un. Et vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Galates chapitre 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, c'est comme la haine et la colère sont voisins. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes sont les œuvres de la chair. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Pas de colère dans l'amour, la joie, le coup, c'est content. Vous pensez à ce que le Seigneur vous a fait. Vous pensez à ce que le Seigneur fait, ce qu'il va encore faire. Alors, il n'y a pas occasion de s'irriter. Vous ne pensez pas à l'autre personne. Vous êtes très content, vous êtes joyeux. Vous ne pouvez pas penser à ce que les autres font. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il n'y a pas de colère dans la douceur quand vous êtes humble, quand vous êtes doux. Il n'y a pas de colère, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Puisse le Seigneur rendre chacun de nous vainqueur au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, la domination totale à travers la plénitude de l'expiation du Messie. Nous venons à lui. Il a expié nos péchés. Et le sang de Jésus-Christ, le Fils, nous purifie de toute injustice. Et maintenant, voyons comment nous vivons maintenant. Galates 2, verset 20, qui dit, « J'ai été crucifié avec Christ.
la nature dépravée là est crucifiée avec Christ. La nature sensuelle là, la disposition coléreuse là est crucifiée avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, alors dois-je me laisser à la colère? Dois-je me laisser à une impétuosité si Christ vit en moi? Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. À travers l'expiation qu'il a faite, il nous donne maintenant une nouvelle nature et l'ancienne nature, la colère à tout moment, et l'impétuosité, la violence. Alors, on ne pense pas avant de dire quelque chose. Tout cela est crucifié. Nous allons aux Philippiens. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, lorsque quelqu'un se fâche, il regarde ce qu'il aime. Regardez ces gens-là. Ils ne font pas tel que je l'aime, tel que je veux cela. Je leur ai dit ça plusieurs fois. Voici comment il faut le faire afin de m'égayer. Monsieur, qui es-tu? Nous aussi, nous voulons aussi être contents. Eux aussi veulent être contents. Et il faut m'égayer, il faut me rendre content. Oubliez cela. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pensez à ce que les autres, considérez ce que les autres s'y veulent. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. 5 dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Quand les sentiments de Christ sont en vous, ne vous fâchez pas comme si vous portez votre émotion sur votre peau. Moindre chose qui est faite, vous êtes blessé. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Deuxième Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu impartiellement donne la nature divine à tous. Cela va ôter la nature humaine, la nature animale, la nature d'un lion, la nature impétueuse, la nature coléreuse, la dépravation, la nature de Christ rentre en nous et cela va ôter toutes ces choses. Il va nous donner les sentiments de Christ, l'humilité de Christ, la douceur de Christ et la bassesse de Christ. Il le fera pour chacun de nous, pour vous, pour moi. Et de retour à la maison, à l'église locale, les gens verront que vous étiez en présence du Seigneur et le Seigneur a fait quelque chose de visible, quelque chose d'inoubliable dans votre vie. Il le fera ce soir. Le Seigneur le fera ce soir. Levons-nous maintenant et parlons au Seigneur dans la prière avec la compréhension que voici ce que Dieu va faire.
S'il vous plaît, frères et sœurs, passez quelque temps à prier le Seigneur. Il fera ce qu'il a promis de faire.